Salut à toutes et à tous, c'est Karedas, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de l'aventure suivie Crysis 2. Nous sommes à Wall Street, 14h32, etc. Ça, on s'en fout. Bon, notre petite diversion a fonctionné. Ils dégagent leurs troupes de Wall Street. À nous de jouer. Écoute-moi bien, je vais passer par les niveaux inférieurs. De ton côté, passe... par les toits. Bon courage, mon vieux. Merci, c'est sympa. Entrez dans le complexe de nanodiagnostic du sel. Ouais, donc c'est ça, on... Notre mission, là, maintenant, dans cet épisode, c'est d'aller dans le... Je sais pas si c'est le QG, mais enfin, dans les bâtiments du sel. Entre parenthèses, là, la musique... énorme. Je sais pas si c'est Hans Zimmer qui a fait toutes les musiques, je sais qu'il a fait donc le thème principal. Et question graphisme, c'est sympa. Avec un espèce de petit flou, voilà. Hop, pour amortir la chute. Voilà, sinon on n'aurait pas survécu, hein, c'est évident. Donc ça m'a plombé toute mon armure. Là, il y a des mecs partout ici. C'est beaucoup trop... Allez, bouge, 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 bouge! Oh la vache, je douille! Non, ça on s'en fout, ça c'est naze. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire avant que... Voilà. Mais bon, donc les musiques, les graphismes, ok. Donc oui, c'est ça. La mission aujourd'hui... Enfin, dans cet épisode... Oh la vache, je douille. La mission dans cet épisode, c'est donc d'aller dans le QG du sel. Et de se mettre dans le truc d'analyse de la combinaison pour savoir ce que... Prophète... C'est-à-dire l'ancien soldat qui avait la combinaison, avait en tête en nous la refilant et en se suicidant, hein, je rappelle. Pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui ne se rappellent pas bien des événements des épisodes précédents. Donc il est où l'autre Gus là? Prenez ça dans les gencives, tocard. Je rappelle que ça c'est une... J'ai déjà dit cette réplique dans la... Dans l'épisode précédent, c'était juste. Et je disais que, ouais, que c'était une réplique, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de si vous avez trouvé dans quel film c'est. J'avoue que c'est assez simple, hein, quand même. Ah, au fait, j'ai pas regardé. Plaque d'identité, véhicule et conversation. Donc voilà, j'ai que dalle quoi, en gros, en résumé. Et là, ça sent bon le... Oh la vache, puis j'arrive hors de machin. On va recharger. Et on est reparti. Camouflage activé. Il est à l'ouest quand même, le gars. On est d'accord. C'est trop drôle. On peut faire ce qu'on veut, hein. Honnêtement, c'est par où, là? Ah, je sais plus. Voilà. Bon, y avait plusieurs façons de venir. Hein.
On pouvait passer par le pont ici, hein. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser, là. Lui, il va m'embêter fortement. Et on va aller dégommer son collègue. Par contre, je me suis fait cramer. Enfin, regardez, je suis déjà... je suis déjà remis à 9, là. Enfin, je veux dire... ils m'ont déjà paumé. Oh, par contre, ça, c'est pas cool. Grenade. On va y aller parce que sinon... Oh la vache. Quand ça se fait qu'ils me mettent dans le mal là comme ça super vite. Ah c'est celui-là que je voulais. J'aime. Allez. Alors, de mettre l'armure, ça permet aussi de régénérer sa vie plus rapidement, hein. Donc, donc lui, l'hélico, comme par hasard. Mais ça enlève rien, ça. On va changer de tactique. Bon, par contre, merci, mais... aucun silencieux, chargeur étendu... et viseur réflexe, voilà. On peut pas le tuer lui ou quoi? In the head. Il reste l'autre avec sa mitraillette là, ou sa mitrailleuse, je sais plus. Non, il est là. Il n'est plus là. Par contre, normalement, je crois qu'il y a un spawn douteux par ici. Il était où là? Il y avait un... Ah. Ça, je prends. T'as intérêt à répliquer vite. Ils envoient des renforts depuis le prisme. Le temps joue contre nous. Voilà. Et hop, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est dans le bâtiment. Tirez à vue. Il est pas mort. Alors désolé, hein, comme d'habitude, je parle pas beaucoup. Je vais essayer de m'améliorer pour ça. Oups, cela. Il monte sur la plante, lui. Il se téléporte. Boum, mon gars. Bon bah tant pis. Hein. Donc ça devait être ici le souvenir de New York, j'imagine. Hein. C'est toujours dans des endroits comme ça en général, donc... hop, munitions au max. On utilise ça. Retrouver Gould, ça marche. Ascenseur. Camouflage activé.
Bon, c'est le genre de temps de chargement déguisé, hein, c'est... On s'approche. J'ai oublié de mettre mon chronomètre, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Bon, du coup, je pense que j'arrêterai à la fin de cette mission-là, je vais pas... Tant pis si ça dure un peu moins longtemps. D'ailleurs, vous pourrez me dire dans les commentaires à peu près la longueur, si ça vous gêne ou pas. J'ai essayé de faire plusieurs longueurs, des vidéos de 30 minutes, d'autres d'un quart d'heure. Voilà, pour essayer de varier. On y est. Parce que je sais que il y en a qui n'aiment pas du tout les longs épisodes, d'autres qui préfèrent ça. Je vais avoir besoin de techniciens pour piloter cette nouvelle interface. Donc j'ai essayé de faire plusieurs longueurs différentes, vous me direz ce que vous préférez, puis j'essaierai de m'adapter. En sachant que là, donc, on est au sixième épisode. Et que du coup, le temps que je la publie, j'aurai peut-être déjà enregistré l'épisode 7 ou 8, je vais voir. Donc là, pour vous dire, au moment où je fais le sixième, je viens de mettre en ligne l'épisode 3. Donc j'ai un petit peu d'avance, parce que ça dépend vraiment du moment. Des fois, j'ai pas le temps de jouer pendant toute une semaine. Donc c'est pour ça que je préfère prendre de l'avance quand je peux. Et donc voilà, quand j'aurai vos retours sur ce que vous préférez comme longueur de vidéo, bah du coup ce sera peut-être applicable ou appliqué que à partir de épisode 7, 8 ou 9, on va voir, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, j'aime bien avoir ce genre de retour. Et même sur beaucoup d'autres points de la vidéo, hein, je vous incite vraiment à laisser des commentaires, c'est ce qui me permet de m'améliorer. Et c'est vrai que, bon, j'ai quelques vues, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent des commentaires, quoi, qui interviennent sur la vidéo, qui laissent des avis ou des conseils. Donc, bon voilà, n'hésitez pas, hein, moi c'est avec grand plaisir que j'en tiendrai compte, j'essaierai de, dans la mesure du possible, évidemment. Mais voilà, sinon moi j'ai pas de retour, donc c'est bien d'avoir un avis extérieur comme ça. Bon, donc bref, on va revenir quand même au jeu. Alcatraz, c'est ton nom. Alcatraz, rôle de destin. Donc là on revient sur la cinématique qu'on a vue tout au début, hein. Quand Prophète nous a filé la combinaison. Ah, voilà le mec du sel qu'on voyait tout à l'heure. Et puis donc nous, on peut pas bouger, on est dans le machin. Oui, c'est le mec du sel, c'est je sais plus son nom. Avec un R là, je sais plus. Génial. Mes hommes te courent après partout dans le centre-ville et te voilà ficelé comme à la parade. Comme vous voudrez. Commandant Lockhart. Voilà. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Ah ouais, bah c'est le professeur dans Harry Potter 2 là. Ça n'a rien à voir, mais bon. Et Strickland aussi, remarquez, Strickland, c'est le justement. Bon bah comme ça me permettra de vous donner la réponse. Monsieur Strickland, c'est le prof, enfin le. Vous devriez le débrancher avant de l'extirper de cette chose. C'est le pion dans Retour vers le futur. Et dans Retour vers le futur 2, quand ils sont dans le 1985 aléatoire, pour ceux qui connaissent, hein. Et eh ben, il est au fusil à pompe, et puis à un moment, donc il tire au fusil à pompe sur des mecs qui viennent l'attaquer. Et c'est là qu'il dit, prenez ça dans les gencives, Tokar. Tiens-toi, Caro, t'as plutôt intérêt. Tu vas garder ça dans ton oreille pendant tout le trajet. Au moindre geste suspect, je t'arrache la tête, enfoiré. Vas-y, maintenant. Fais pas le malin avec moi, prophète. Allez, lève-toi.
Eh ben. Qu'est-ce qui t'arrive, Gaul? Je croyais que tu serais ravi maintenant que l'odieuse conspiration universelle est enfin dévoilée. Donc. Sans une. Puis il va s'en prendre une avant la fin, là, vu comment il nous pousse. Je pense qu'il se retournerait dans cette tombe. Ouais, c'est ça. Tu ferais mieux de laisser mon père où il est et de fermer ta gueule. Tu te crois si futé que ça, Tara? Attends, t'as bien conscience que c'est pas prophète, là? C'est qu'un anonyme. La mise en scène est pas mal du tout quand même. T'as entendu la dame ? S'il arrête pas de taper, je suis sûr qu'il va s'en prendre une. Je me rappelle plus de l'histoire dans les détails. Je vais t'avoir, l'homme de fer. Donc du coup je redécouvre un peu. Conduisez-le jusqu'au prisme. Faites-le entrer dedans. C'est le problème de Hargreaves maintenant. Ok, on est parti. Donc ouais, je disais la réplique. Prenez ça dans les gencives, Tokar. C'est donc Monsieur Strickland dans Retour vers le futur. Pour les connaisseurs, ils auront trouvé tout de suite. Sinon, pour les plus jeunes, peut-être que vous l'avez pas encore vu. Alors regardez-le, hein, c'est obligatoire. C'est un grand classique. Ouch. Bon, évidemment, il y aura eu un peu moins d'action dans cette... enfin, d'action. Il y aura eu de la mise en scène, de l'action comme ça, mais de l'action gameplay. Il y en aura eu moins dans cet épisode. Alors ça analyse l'ADN ou un truc du genre, voilà. Les mecs sont intoxiqués ou je sais pas trop quoi. Dégâts épidermiques, donc ça ils ont la peau qui... Je sais pas trop quoi. Ah voilà, corrosif. Défibrillateur. Fonction centrale altérée. Unitage de l'alimentation. Standby. C'est bien foutu hein, comme cutscene. Hein. Parce que là donc oui, on est dans le jeu, c'est une cutscene, hein, c'est pas une cinématique. C'est donc avec le moteur du jeu, hein, c'est ça la différence. Sachant que certaines cinématiques sont faites avec le moteur du jeu, hein, mais ça dépend. Ils sont lance-grenades, d'autres. Bon, vous voyez hein, comme quoi les aliens sont très puissants par rapport aux humains. Et donc il y a à peu près, voilà, il n'y a pas 36 personnes. Nous, avec notre combinaison, ça permet de faire face. Mais il n'y a qu'une combinaison, donc... Calcul d'itinéraire alternatif. Bon, par contre, j'ai... Ah si, j'ai gardé mes armes. Il est mort, lui? Ouais, en un coup. Allez, sort. Système de survie prioritaire. Infestation terminale. Système basculé sur fonction primaire. Ah. Échapper à sport à gré. Armure maximale. Pourquoi il bouge comme ça là?
Il faut que j'aille plus loin là. Non. Je suis mort là, je sais pas trop. J'ai pas trop compris. Ah non, c'est la fin de la mission. Bon, mais comme d'habitude, je vous laisse la petite cinématique. Et puis, je m'arrêterai là pour cet épisode. Donc, Kevin, écoutez cette musique. Moi, je suis vraiment client de ce genre de musique assez épique comme ça. Ouais. Bon, donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des j'aime, et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.